Salut, salut tout le monde, c'est Shingo et aujourd'hui, on continue la saison de l'horreur avec Alan Wake 2. La dernière fois, on avait enfin eu le twist que j'attendais depuis très longtemps et que je croyais qu'il allait même plus venir et tout, et qu'en fait il est venu. Et du coup, on a retrouvé Alan avec Saga à Bright Falls. Et il s'est passé plein de trucs. Et du coup, là, on va continuer à aider Alan à essayer de sortir de l'entre-noir. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Go, 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 go. Ouais, on est revenu avec le Wakey Wakey. Ouais. Qui Wakey? Ouais. Qui Wakey? Ok, donc, maintenant, il faut que je retourne au Palladium. Ah, il faut que je réponde au téléphone aussi, d'abord, pardon. C'est vrai. Allô? Allô? C'était pas Zane. Et pas Grincement non plus. Vous êtes moi? Moi? Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je pige pas. L'entre-noir est composé de boucles. Le temps est une histoire. Je vous appelle depuis un autre point de cette histoire. Quoi, du futur? Je sortirai jamais d'ici, pas vrai? Si, bien sûr. Et non, bien sûr. Mais c'est votre propre choix. Ça veut dire quoi? Je suis désolé de ce que vous allez subir. Vous devez retourner dans le sous-sol de l'émission. Prenez les photos d'Alice dans la boîte à chaussures. Pour pouvoir aller à Parliament Tower, vous devez les mettre dans la boîte à chaussures, près de sa statue sur la place, pour vous aider, pour aider Alice, pour aider Saga Anderson. Je suis mon propre Deus Ex Machina, vraiment? Combien d'écrivains faut-il pour boucler une histoire? Un pour chaque brouillon. C'est le même écrivain, mais à divers moments de sa vie. Je suivrai les étapes qu'il avait créées pour moi. Des photos d'Alice dans le sous-sol du site de l'émission. Je devais les récupérer. Je mettrai les photos dans la boîte à chaussures, près de la statue. Bon, je vais attendre qu'il me tape. Hein, parce que je vais être totalement honnête avec vous, j'ai plus de torche et je vais pas... Et je veux verrouillé. Pas attaquer tous les toutes les ombres qui passent en fait. C'est vraiment pas rentable au niveau de la torche. Ah! Enfin, elle est là, là. Oh là là, j'ai mis du temps. Alors qu'en fait, elle était juste là, à côté. Regardez, juste là. À côté de la grande entrée. Il y a la petite entrée qui est cachée, elle est juste là. Mince, mince. Bon, j'espère que cette fois, je vais pouvoir faire quelque chose de mieux. Hein. Parce que la dernière fois, j'ai pas du tout trouvé ce qu'il fallait que je fasse. D'accord, ok. Il faut s'assurer que ça soit éteint ici pour pouvoir avoir un petit escalier à côté là. D'accord, j'avais pas tilté.
J'avais pas tilté. Alors. En fait, j'aurais pu le faire dès le départ, ça, mais j'ai juste pas compris. Ok, il m'a mis normalement les photos dans la boîte à chaussures, là. Les photos d'Alice, je reconnus son style. L'une montrait le rupteur sombrant dans les ténèbres. L'autre était une lumière en forme de munition. Il fallait que je les apporte sur la place. Parfait, parfait. J'aurais pu le faire dès le départ, ça, mince. Et hop, on ressort. En fait, c'était pas compliqué. Je détenais les photos. Je devais les mettre dans la boîte à chaussures près de la statue. Parcours littéraire, j'ai pas tout compris. Alors, mesure de sécurité, je crois que je l'ai pas lu ça. Mesure de sécurité, je comprends qu'il soit nécessaire de mettre des personnes arrêtées sous les verrous, mais qui est le parano qui a décidé que toutes les autres portes des locaux devaient être équipées d'une serrure dernier cri? Le matos n'est pas sécurisé. Une panne de courant et les verrous s'ouvriront pas. Je vous l'ai déjà dit une dizaine de fois, il faudra pas s'en prendre à moi quand vous serez enfermé à l'intérieur sans possibilité de sortir. Carrément, mais c'est quasiment ce qui... c'est quasiment ce qui s'est passé, hein. Alors, sécurité pour la fête du fer. Salut à tous, j'ai loupé le topo pour les préparatifs de sécurité pour la fête du fer. Des nouveautés? Quoi de neuf pour le contrôle de la foule? La personne qui a mis baïonnette comme suggestion l'a fait pour blaguer, pas vrai? Pas vrai. Rappel, l'ordinateur de l'accueil et la boîte de messagerie de l'admin ne doivent pas être utilisés pour les querelles personnelles et autres d'histoire non professionnelles. Et n'oubliez pas de laver vos tasses. Admin. Information importante. Thornton ne se rappelle pas que je l'ai déjà remboursé en lui payant à manger il y a quelques mois. Ne l'écoutez pas et pas touche à ma paye ou je vous poursuis en justice, adjoint Mulligan. Information importante. Mulligan me doit 20 sacs et refuse de me rembourser. Je propose de prélever ce montant sur sa paye, plus intérêt, et le verser directement sur la mienne, adjoint Thornton. Ah oui, quand même. Pas de poisson entier au micro-ondes. Tu devrais même pas avoir à le préciser. Ok, donc on... que des trucs super intéressants. T'étais le meilleur des Cosquelins. Bien meilleur que moi. On finit le café et on en refait. C'est la troisième fois de la semaine que je bosse de nuit et qu'il n'y a pas de café dans la cafetière. Si vous prenez la dernière tasse, vous refaites du café. Et je suis pas votre secrétaire, Chet, pardon de te dire ça, mais pour que l'huile pour bar
soit efficace, il faut déjà avoir un visage capable d'en développer une. Oh là là, comment ça clash ? Je suis pas votre secrétaire. Je savais que la barbe de Marco était anormalement douce. Quelle marque utilise-t-il, Lucie ? Puisque mes nombreux rappels polis sur le fait de ne pas recevoir de colis personnels au bureau ont été ignorés, désormais, si vous jugez bon de faire expédier quelque chose au bureau, je jugerai bon d'annoncer ce que vous avez reçu à tout le monde. Est-ce un délit fédéral d'ouvrir le courrier d'autrui ? Tout à fait. Est-ce une atteinte à ma personne de devoir partager mon espace professionnel avec vos achats impulsifs de la veille ? Tout à fait. Vous êtes prévenu. Agent Lightfoot, vous pouvez récupérer l'huile pour votre barbe. Ah ah ! Troisième barbecue communautaire annuel. L'événement que vous attendez tous approche, le barbecue communautaire. Je ne veux rien entendre. C'est une occasion précieuse d'établir un contact avec la communauté. Les statistiques montrent que les agents qui sont bien intégrés au sein des communautés qu'ils servent constatent moins de crimes violents dans leur circonscription, sont plus efficaces dans leur travail et ont une meilleure santé mentale. Alors c'est pour votre bien que vous allez voir les gens et tout. Prenez ça au sérieux. Cette année, la victime pour le touché-coulé élu par la communauté est... l'adjoint Thornton, félicitations. Ça sent la vengeance pour le radar sur la 12C, c'est pas vrai? Petit rappel, quiconque en arrêt maladie ce jour-là doit avoir un papier signé par un médecin ou devra bosser de nuit pendant 2 semaines. Et quiconque répondra en se plaignant de sa tâche devra participer au numéro de magie de l'agent Lightfoot. Et du coup, ça c'est Tim, ça. Ça c'est le grand Manitou qui... qui l'envoie celui-là. Attends, oh. Un système de verrou électrique sans mode de secours. C'est malin. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Avec un système électrique pareil, on s'attendrait à trouver un générateur de secours. Tant pis. J'ai lu tous les papiers ici, hein. Parce que s'il y a un papier que j'ai pas lu et que c'est à cause de ça, je vais me retrouver bête. J'ai pas lu cela ? Ok, j'ai pas lu cela, peut-être que c'est à cause de ça. Bon. Transcription dans l'interrogatoire du sujet Alan Wake, pareil utilitaire présumé. Ah non, d'accord, ok, l'interrogatoire j'ai déjà lu, mais par contre l'autre truc je l'ai pas lu. Personne dont l'ombre noire a pris l'apparence. Alors, complément du rapport, l'ombre, résumé. Suite à des entretiens approfondis avec des témoins de l'EAM 35, d'autres informations relatives à l'ombre, A010, ont été découvertes. Effacées et effacées. Tous deux présents lors de l'EAM ont signalé avoir vu une femme du nom de Barbara Yeager à Bright Falls à ce moment. Yeager, habitante de Bright Falls et ancienne actrice, a émigré de Finlande avec le réalisateur Thomas Zane et se serait noyé dans Cauldron Lake lors d'un EAM effacé en 1970. L'équipe des recherches a conclu que l'apparition de Yeager devait être le fait d'une manifestation de l'ombre sous forme humaine. Les recherches se poursuivent quant à la nature du lien entre l'ombre et les signatures psychophysiques disponibles pour permettre le mimétisme. Voici les hypothèses actuelles. L'ombre ne peut se manifester que sous forme d'artiste ou d'individu impliqué de près ou de loin dans la création d'œuvres d'art et qui ont exercé dans un certain périmètre autour de Cauldron Lake. L'ombre peut se manifester sous la forme de n'importe quel individu confiné, définition requise, dans Cauldron Lake. Les recherches se poursuivent, voir le dossier 38-453-1873 pour le rapport complet. Alors, hop. Dossier du FBC, l'ombre noire a pris la forme de Barbara Yeager. Je dois savoir à quelle information je peux me fier. Alors, grincement ou Wake ? Grincement s'est fait passer pour Wake pour nous berner. Combien de temps depuis le début ? Peut-on croire ce qu'a dit Wake, du coup ? Pas vraiment, en fait.
Alors, ce n'est pas la première fois que l'ombre noire prend l'apparence de quelqu'un, ouais. Rupteur toujours utile. Ah, parce que du coup, c'est vrai qu'il avait beaucoup insisté pour le rupteur, en fait. Peut-être que ça va servir que à Grincement et pas à nous. Du coup. Dossier du FBC sur les pouvoirs de l'objet. Interrupteur, le rupteur. Selon le dossier, Wake a déjà utilisé le rupteur pour modifier la réalité. On va peut-être faire un petit profilage de Odin, du coup. C'est bon, en fait, j'avais juste loupé ça en document à lire. Maintenant, je peux continuer l'aventure. Le scénar. Alors, confiance en Wake. Wake m'a dit que le rupteur réparerait tout. Et Wake était en fait Grincement. Comment je pourrais croire tout ce qu'il m'a dit? Il faut que l'artiste achève son œuvre. Ça tourne à l'orage avec lui. Il va falloir se remuer les miches. On te l'a déjà dit, gamine. C'est vrai ce qu'a dit Tom sur l'interrupteur. Te laisse pas troubler par l'histoire. Il faut qu'il écrive la fin de ton choix. Le rupteur peut en faire une réalité. Mais on n'a pas Wake. Tout ce qu'on a appris sur le rupteur était vrai. Il mentait pas. Grincement a dit que le rupteur pouvait changer l'histoire. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez compris? L'interrupteur est un objet surnaturel, peut-être même un objet de pouvoir. Selon des rapports vérifiés, il était entre les mains d'Alan Wake pendant l'EAM qu'il y a eu ici en 2010. Il est bien doté d'un pouvoir, ça, c'est certain. Je peux trouver un plan, j'en trouve toujours. On va trouver un plan, on va trouver un plan. Estevez, le FBC, a identifié le rupteur comme un objet paranormal et pense qu'il a un pouvoir. Le rupteur peut régler ça. Mais il faut Wake pour l'utiliser. Le rupteur est la meilleure solution. Il connaît toutes ces choses. Il pourrait m'aider. Besoin de Wake pour réécrire la fin, changer la réalité. Le FBC est sûr que le rupteur a des pouvoirs, mais celui-ci peut-il nous aider? Ou seulement aider Grincement? C'est ça la question que je me pose. Comment je peux le libérer? Wake est encore dans l'entrepôt. On vit et on respire rock'n'roll. Dans les cris silencieux. Dans les rêves trop fiévreux. Le rupteur peut amplifier d'autres arts. Pas seulement les écrits de Tom. Tout ce que la passion a pu créer. Le pouvoir sombre du lac transformera tout en réalité. Mais si le détenteur du rupteur croit vraiment en l'art, il peut en faire une réalité en l'activant. Je peux utiliser le rupteur sans Wake. Seuls les écrits de Wake peuvent changer l'histoire d'horreur. Mais je peux utiliser le rupteur pour changer autre chose. Faire sortir Wake de l'entre-noir. Le rupteur peut être utilisé par n'importe qui, il suffit de croire au pouvoir du message artistique. J'utiliserai le rupteur pour changer la réalité et ramener Wake à Cauldron Lake. Il me faut la bonne œuvre d'art, mais ce sera pas un problème. Vais tenter d'utiliser le rupteur à Cauldron Lake pour sortir Wake de l'entre-noir. Wake a écrit l'histoire, j'ai donc besoin de lui pour changer la fin. Mais je peux utiliser le rupteur pour changer autre chose. Je sais quoi faire. Je dois donner aux autres la marche à suivre et tout arranger. Pour demain. Donc il faut que Wake corrige cette histoire, c'est bien ça, rien n'a changé. Voilà ce que je sais. Wake est toujours dans l'entre-noir, sous le lac. Le rupteur devrait pouvoir le sortir de là. Mais il nous faut une œuvre d'art. Autre chose que son histoire. Ça le ramènera ici. Je vais rien consigner pour cette affaire. Je saurais pas quoi écrire. Mais ça me va. Ok. Écoutez, j'ai l'impression qu'on pourra pas faire demi-tour une fois la machine lancée. Vous êtes sûr d'avoir bien pensé à tout ?
Alors, la séquence de fin du jeu commence. Pour vous rendre à Cauldron Lake, vous devez d'abord sauvegarder votre partie. L'exploration et le voyage par les autres zones seront limités si vous choisissez de continuer. Pas encore. D'accord. Ok, Anderson. Prévenez-moi quand vous serez prête. Donc, c'est la fin du jeu. Si je veux trouver les derniers trucs que je voulais trouver, c'est maintenant, en fait. Ouais, c'est par là, c'est bon. Ok, bon, bah, je crois qu'ils vont pas... Ok, je suis en train de perdre des balles, là. Sincèrement, je pense que je suis en train de perdre des balles. Surtout que je sais pas viser. Comme vous l'avez vu. Je vais juste aller choper la dernière... Au moins, ça sera fait, en fait. J'ai les... J'ai les emplacements de toutes les cages de la secte, ce qui fait que je peux au moins avoir toutes les cages de la secte. Même si j'ai pas le reste. Ok, elle est là. Cache de la secte. Gros enfiché. Oh mince, ils sont deux. Yeah.
Ah, c'est pas possible. Et tu vas mourir. J'en ai un autre en plus. Je perds toute ma vie à chaque fois. J'ai même pas lu ce qu'il y avait à faire sur la cache. Et donc, je perds mes tasses, moi. Pièces de rechange. Ah bah oui, mais... ok, donc il faut les pièces de rechange. De la grande roue, du percolateur, et du et de l'autre, les auto-tamponneuses, en fait. D'accord, d'accord. Bon ben, il va falloir que je compte ça, hein. Là, la lumière. Ça guérit pas de beaucoup, mais ça guérit d'un peu. Moi, c'est 5-5-2. Hop, on essaye. Ça. Ok, on va essayer de bien faire le tour. Ça se trouve, il faut aussi faire le tour de l'autre côté. Une clé ? C'est nouveau. De quoi ? Clé du phare, elle était ici ? Elle était ici, la clé du phare. Ok. Je sais pas si ça a un rapport avec le fait que c'est la dernière cache que j'ouvre, hein, par contre. Je l'écris noir sur blanc, l'opération voir plus grand est impossible d'un point de vue technique. Je sais qu'il adore ses idées délirantes, mais son schéma ressemble à un truc de BD. C'est Charline qui l'a dessiné, pas vrai? Et c'est pas faisable. En fait, désolé, ma manette a déconné et du coup, j'ai pas vu c'était quoi le code en fait. Je crois que c'était 5, 4, 2, mais je suis pas sûr. En tout cas, il me semble que 5 et 2, c'est bon. Mais j'ai pas pu avoir le code en fait. Je suis désolé. Ma manette, elle a déconné d'un coup et c'est passé. Bon, moi, je vais pouvoir ouvrir le phare maintenant. À faire classer des caches de la secte. J'ai trouvé toutes les caches. Ces gens étaient bien préparés. Je crois que j'ai enfin trouvé toutes les caches de la secte dans la zone. Il y en avait beaucoup. Cache trouvée au motoclub près de Watery. Hop. Toutes les caches de la secte à Watery trouvées. J'ai au moins trouvé toutes les caches. En même temps, c'était pas très difficile vu qu'elles nous étaient marquées quand même. Le message à l'intérieur mentionne une opération de la secte, voire plus grand. Que prépare-t-il ? Allez, on va enfin savoir ce qu'il y a dans le phare. Bon, il y a un petit peu... Oh ! Pour me soigner un peu, cool. Il y a une papage en plus. Naissance de la secte de l'arbre. Ah, ça, c'était la papage qu'on pouvait pas avoir avant d'avoir terminé l'histoire avec Saga quasiment, ça. Il y a aussi de l'inventaire en plus. Oh là là.
Il m'en résiste à l'ombre noire. Ah, ça peut être rigolo à lire, ça. À tous les coups, c'est une idée d'Ilmo. Alors, Watery... Miroir, utiliser la lumière du principal truc lumineux. Une antenne satellite, ombre monstrueuse, éclair 3000. Et générateur. Ok, je pense que c'est ça le truc dont il parlait du coup. Au niveau du phare. Je sais pas exactement à quoi ça va nous servir nous. Naissance de la secte de l'arbre. Retourne cette invocation. Ils sont trop vieux pour affronter des monstres. Fini les porteurs de flambeaux. Il faut de la nouveauté. Il m'attira longuement sur le joint et le tendit à son frère. Ils avaient bu et fumé toute la nuit. Ce truc dans le lac, il n'était pas humain. Et le gouvernement tente de cacher ça. Il me désigna les dossiers volés à la station de surveillance. L'étrange seau avec la pyramide à l'envers. Le bureau fédéral de contrôle. On doit tenir les fédéraux à l'écart, gérer ça à notre façon. On a besoin d'une armée. Yako sourit. Il adorait voir les idées naître chez son frère. Le regard d'Ilmo était vitreux, il voyait double. La pyramide sur le dossier était un épicéa. Un arbre, se dit-il. Un putain d'arbre, c'était un signe. Les bois vont redevenir flippants. Tellement flippants que personne n'y mettra plus les pieds la nuit. Comme ça, on protégera les gens. On sera des légendes. On est la secte de l'arbre et on veille dans la nuit. Il nous faut des masques flippants. Remotivé, Yako descendit une bouteille de bière. Une bouteille de bière Arma d'un trait. Ok. Return 7, invocation. Ilmo résiste à l'ombre noire. Ilmo Koskela émergea d'un cauchemar en sursaut. Il baignait dans sa sueur. Dans son rêve, il était recouvert de sang et tuait joyeusement des gens, ses amis. Quand son jumeau avait tenté de le raisonner, il avait tué Yako aussi. Ilmo se frappa la tête de la tempe du poing si fort qu'il eut mal. Le rêve lui avait donné la nausée. La force sombre du lac gagnait en puissance. Elle essayait de faire d'Ilmo et Yako des êtres qu'ils n'étaient pas. Elle tentait de les transformer en Ilmari et Yakopi, ou Otari, qui vivait jadis à Watery. Ah, ils vivaient vraiment? Mais eux étaient les frères Koskela. Leur mère ne les avait pas élevés pour faire d'eux des cinglés de meurtriers. Ils avaient du cran, ils avaient de l'honneur. Ils avaient le Sisu, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, finlandais. De gros problèmes s'annonçaient. L'appareil caché qu'ils avaient accroché à l'arrestation du FBC n'avait pas arrêté de se déclencher ces derniers jours. Ilmo s'assurerait que la secte était prête à se battre. Dans la nuit, l'histoire cherchant à générer un amalgame à Watery poursuivait sa route. Cherchant un autre duo d'hommes plus facile à corrompre. On sait qui c'est Anton et Mulligan. Ok, bon bah du coup, moi je m'attendais à une boîte repas ou à une comptine à l'intérieur. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, si c'est lié à la secte, je comprends mieux. Va peut-être falloir que je retourne au mobilhome un coup parce qu'il y a une porte qui est verrouillée là. Voilà, le coupe-boulon. Le coupe-boulon, il t'ouvre une tonne de choses maintenant. Voilà.
La dernière comptine de Watery, elle est ici, en fait. Je m'en doutais. J'espère qu'il y a la poupée aussi. Comme ça me fera toutes les poupées aussi. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Ok, ça c'est le devant. Ok, je vais faire la comptine. Ah, une autre comptine. Ok, il a l'air d'y avoir que la comptine. Go, go, go! Un vieil homme privé de la vue, de descendance n'avait point eu. D'un fond, d'enfant, il se fit protecteur. Le cerf était cher à son cœur. Il remplit sa vie de douceur. Alors, voyons voir. Alors, le vieil homme privé de la vue. De descendance, il n'avait point eu. On va mettre le cerf. Oui. Et on va mettre... le vieux sage ici. Voilà. Le vieux sage sur l'œil et le cerf sur le cœur. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été téléporté sur le toit parce que le jeu il a bugué, je crois. Oh mince! Mince. Ok, donc le fait d'avoir trouvé la dernière énigme de Watery, ça invoque plein de mecs. Ok, donc cette énigme, cette comptine de Watery, elle invoque plein de mecs. Va falloir que je fasse attention. Et aussi que le jeu il bug pas, si possible. Ok, je recommence là, c'est une très bonne chose. Et une autre breloque. Ok, c'est une... Bah, y a pas une tonne d'ennemis qui arrive cette fois ? Presque déçu. Augmente nettement le délai de régénération des boucliers d'ombre. Ça peut être très sympa, ça. Et du coup, j'ai trouvé... Elle était là, la valise, avant ? Je crois qu'elle était pas là, la valise, avant. Station de Witchfinder. Je suis déjà venue. Ouais. Avertissement. Propriété du
Bureau fédéral de contrôle, département des études parafictionnelles, responsable des recherches Dr. Campbell. Ce conteneur doit rester fermé à tout moment. L'objet à l'intérieur doit être isolé des autres, ainsi qu'à bonne distance du site de test principal, la station de Witchfinder. Ben, on va y aller. J'aimerais bien pouvoir la prendre, par contre. Voilà. La poupée du père. Et maintenant, j'ai toutes les poupées. Celle-là, elle a l'air d'être... Ça a l'air d'être un objet surnaturel du FBC, celle-là, par contre. Station de Witchfinder. Et si j'emportais cette poupée bizarre à l'endroit où elle devrait pas être? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout. Beaucoup de choses. Le FBC, les gens du FBC prennent leur travail très au sérieux quand même. Le dossier dit de ne pas apporter la poupée à la station Witchfinder à Cauldron Lake. Tout cela m'intrigue, je vais le faire. Ok, figure de père utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. On finit par les trouver mignons à force de les regarder. Il y avait 13 poupées disséminées dans la zone. Jolie touche, les lunettes. Ok, comptine trouvée dans un mobilhome à Watery. Toutes les comptines de Watery trouvées. Comptine sur un vieillard qui élève un fond comme son enfant. Ben c'est peut-être ça le principe avec l'indice avec le père et tout. C'est peut-être là qu'elle apparaît la valise avec la truc du père vu que c'est un vieillard qui élève un enfant comme son père. Ok, je suis pas sûr. Je crois qu'il va falloir que je place toutes mes poupées. Ou au moins les bonnes poupées qui dont la voix parle. La voix que je sais pas d'où elle vient. Ah bon. Voilà, donc la sorcière, je la mets ici. La sorcière... Est-ce que j'ai une sorcière? Je crois que j'ai fourbe. Je pense que ça va être fourbe. Parce que du coup, ce que je pourrais faire, c'est mettre le père sur l'œil, parce qu'il veille sur l'héroïne. Je pourrais mettre le père sur l'œil. Je pourrais mettre l'héroïne sur les trucs brillants, parce qu'il ne faut pas qu'elle y aille, apparemment. Toujours pas le code pour ça, moi. Attends. 2, 5, 4, 7. Arrête. C'était marqué sur le post-it en dessous. Mais je l'ai pas vu, le post-it en dessous. Ok, nouvelles au sujet des tests. Cher docteur Marmon, comme promis, voici les nouvelles au sujet des dernières expériences du projet. Les objectifs du test utilisé étaient des figurines d'animaux en plastique, des ours en peluche, des petites voitures et des poupées. On parlait de l'hypothèse selon laquelle la nature iconographique de ces objets bénéficiait à ces recherches. Résultat du test négatif. Je poursuis les tests avec des objets et des scénarios plus sophistiqués. Inutile de répondre à ce message. Projet continue non provisoire. J'ai bien reçu votre retour favorable au sujet de ma proposition de projet. Merci.
Inutile de vous rappeler que ma formation ainsi que mes connaissances en mythologie, en folklore et en littérature apporteront de la crédibilité requise au projet, à la fois pour l'encadrer et pour créer des matériaux servant au test. Ok, je vais mettre une poupée sur chaque symbole et on va voir ce que ça donne. Oh, il y a un cœur ici! Ah, il y a le soleil ici! Ok! Moi, je vais mettre l'héroïne sur le soleil, alors. Pas sur les trucs qui brillent, mais sur le soleil, carrément. Voilà. Et la mer, du coup... Pas sur la maison, elle est sur le cœur. Voilà. Qui êtes-vous? Qui vous a dit que j'étais là? Ça fait un moment que je constate vos sabotages réguliers de mon projet. Mais vous avez fait de gros progrès, cela dit. Quel projet? En effet. Mais vos interventions dans mes recherches sont terminées. Et j'ai hâte de constater les résultats. La clé, il me semble, est dans la manifestation de toutes ces consignes. L'art devient ainsi réalité. L'entrée est révélée et peut-être même le cataclysme. Venez-en au fait. Vous êtes là? On dirait que cette personne a eu droit à une grosse surprise. Oh, encore ce truc. Il y a autre chose. Ça me sera utile. Ouais, j'ai droit à une breloque en plus! Eh ben, dis donc. Ok, donc j'avais mis le fourbe sur la mère, l'enfant sur le poussin, le père sur sur l'œil, le père sur l'œil, voilà, le héros sur le soleil et et la mère sur le cœur. Voilà. Le soleil étant ici et le cœur étant ici, ils étaient un peu cachés. C'est pour ça que je les trouvais pas. Ok, quatrième breloque. Alors, il va falloir que j'aille dans une boîte à chaussures, par contre. Et, attends, dans mon tableau d'enquête, j'ai terminé les comptines aussi, je crois, non? Ok, email de l'auteur des comptines, Dr. Eugène Campbell. Le FB6 mêle effectivement de choses qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Le FBC a créé les comptines. Ça finit toujours bien. Ils cherchent à savoir si elles ont le pouvoir de changer le futur. Bizarre. Et du coup... Hop. Études parafictionnelles. Mais qui finance ces gens? Ensuite. Le docteur Campbell pensait que l'expérience m'enverrait dans l'entre-noir. Que c'est d'être trop orgueilleux. Le chercheur du FBC a tenté de m'envoyer dans l'entre-noir. Il a été envoyé à ma place. Bien fait. Ce salopard a tenté de m'envoyer dans l'entre-noir. C'est l'arroseur arrosé, on dirait.
ont-ils trouvé dans le chalet du lac forestier de Cauldron Lake? Toutes les comptines trouvées dans Cauldron Lake. Une comptine sur une héroïne téméraire surveillée par le lointain père. Affaire classée. Un type en blouse fait des conneries et le paye cher. Logique. Un chercheur du FBC utilisait les comptines pour générer une passerelle vers l'entre-noir. L'expérience a fonctionné, mais pas comme il espérait. Ok, le seul truc que j'ai pas à 100% du coup maintenant et que j'ai pas classé l'affaire, c'est les boîtes repas de Ice Casey. Et je vous cache pas qu'il manque, il m'en manque 3 Watery et il m'en manque une à Cauldron Lake. Je sais vraiment pas si j'ai la force de les chercher avant de passer à la suite. Et voilà, je vais pouvoir mettre 4 breloques. Donc les breloques les plus intéressantes pour moi sont la trouvation de meilleurs objets. Parce que ça peut encore me servir pour le dernier chapitre, je pense, même si je suis moins sûr. Ça reste le dernier chapitre. L'augmentation du délai de régénération des boucliers d'ombre. Ça, c'est super sympa parce qu'ils se régénèrent très vite, je trouve, en fin de jeu. L'augmentation de la santé maximale, parce que je meurs tout le temps. Et l'augmentation de l'efficacité des antalgiques et pansements compressifs. Encore une fois, parce que je meurs tout le temps. Augmente les dégâts infligés quand votre santé est basse. Ça pourrait être bien, ça, à la place des objets. Ajoute une charge à la lampe torche. Ça peut être bien aussi. Chance d'étourdir les ennemis en amplifiant la lumière de la lampe torche. Ça peut être bien, ça. Vous savez quoi? Je vais augmenter les chances d'étourdir les ennemis avec la lampe torche. Mais ouais, mais c'est mieux en combo avec une charge en plus. On va voir. Ok, bon, ben du coup, je sauvegarde un coup. Ok, petite session. Petite session de préparation imprévue pour pouvoir aller tataner de l'ombre noire et tataner du grincement après. Du coup, voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est qu'on va là, c'était juste un épisode de préparation totalement improvisé où j'ai chopé les photos dans la boîte à chaussures pour Alice. J'ai chopé la dernière cache. De la secte de l'arbre, et j'ai chopé la dernière comptine. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait, comme d'habitude, super giga tétraplaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes, et des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, parce que la suite, c'est la fin du jeu, avec tout ce qui va se passer, que je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je suis super impatient de le savoir. Si vous avez aimé les préparatifs, si vous aimez... Le fait que j'ai retrouvé le sous-sol du studio pour Wakey Wakey, que j'ai retrouvé les photos, que je me suis préparé, tout ça, que j'ai eu la dernière comptine et la dernière cacache. Comme ça, ça m'a permis d'avoir des bons trucs quand même. Hein. Une augmentation d'inventaire et une augmentation de breloque, hein. C'était trop bien ça. Si vous avez aimé tout ça, si vous aimez Saga, si vous aimez Alan, si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à poser un like parce que ça fait toujours super plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss !